Bonjour et bienvenue à tous pour cet avant-dernier séminaire de l'année consacré à Hannah Arendt, comme vous le savez tous. Et on a volontairement choisi avec Maria de Francais une formulation très générique pour introduire à la pensée et à la vie de cette femme exceptionnelle et en même temps, on y viendra sans doute controversée sur un certain nombre de points. Hannah Arendt, philosophe politique, bien sûr, élève de Martin Heidegger et ensuite l'une des chefs de file de la réflexion politologique aux États-Unis, son pays d'adoption, après qu'elle eut quitté l'Allemagne est transitée par la France. Enfin, tout cela, évidemment, est au cœur du livre de l'une de nos invitées, Bérénice Levé, qui est une jeune philosophe, qui a signé d'ailleurs un certain nombre de contributions dans la Revue des Deux Mondes et dans Commentaires, et qui est une collaboratrice régulière de Commentaires, et qui vient de publier justement un livre tout à fait passionnant, qui s'appelle « Le musée imaginaire d'Hannah Arendt », paru aux éditions Stock, où elle analyse l'influence, l'empreinte des œuvres picturales, musicales et plus largement littéraires qui ont largement justement influencé cette femme qui ne savait penser justement qu'en faisant sa part, qu'en donnant sa part aux émotions esthétiques. On y reviendra longuement évidemment au cours de ce séminaire. Mais cette question inaugurale de notre rencontre d'aujourd'hui, que nous apprend Hannah Arendt, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est presque, cher Alain Finkielkraut, une question finkielkrautienne, puisque vous vous y attelez sous une forme à la fois répétitive et harmonique depuis de nombreuses années. Et répétitive, ça ne veut pas dire radoteur. Et vous y attelez sous une forme répétitive et harmonique depuis, en gros, la défaite de la pensée, où vous essayez de penser justement les destins de la culture, les destins de l'humanisme européen à la lumière de son œuvre. Vous en êtes au fond un des lecteurs, sans doute aujourd'hui, à la fois les plus assidus et les plus féconds, même si vous ne lui avez jamais consacré de livre en tant que tel. Le moins qu'on puisse dire, donc, c'est que la pensée d'Arendt, mais aussi sa vie, certains de ses engagements, vous vous retrouvez pour certains, pas dans tous, on y reviendra, sont au cœur de votre réflexion sur le monde contemporain. Vous vous définissez ce matin dans le journal du dimanche comme en délicatesse avec la gauche, donc on vous demandera aussi si c'est arendtien comme position, comme réflexion sur les affaires humaines, comme manière de se positionner sur les affaires humaines. Et pour commencer, puisque Hannah Arendt, c'est à soi seule un continent, mais justement ça n'est pas simplement le Christophe Colomb du continent antitotalitaire, comme vous l'aviez qualifié il y a maintenant presque 30 ans, je vais proposer à Bérénice Levé de nous expliquer de la manière la plus pédagogique possible ce qu'elle retient de cette pensée, quel concept elle articule justement dans sa réflexion d'aujourd'hui, peut-être l'action, la fabrication, le travail, le souci du monde, et surtout, évidemment, qu'est-ce qui l'a conduite dans sa réflexion personnelle à choisir comme prisme d'entrée dans l'œuvre d'Hannah Arendt celui de ses enthousiasmes littéraires et artistiques. D'accord. Alors, je vais peut-être déjà tenter de répondre à votre question. Que nous apprend Hannah Arendt pour nous permettre d'entrer dans cette œuvre? J'ai retenu, alors la question est très ample, très vaste, en sorte que j'ai choisi un thème qui nous permet donc de pénétrer dans l'œuvre d'Hannah Arendt et également de voir la fécondité de sa pensée. Alors, il m'importe aussi en effet de extraire Hannah Arendt d'une simple approche politique. Elle n'est pas qu'un philosophe politique, elle est un penseur de la condition humaine. Il est vrai que le titre donné à The Human Condition, et en français étant la condition de l'homme moderne, nous a fait un peu perdre cette dimension anthropologique de l'œuvre d'Hannah Arendt. Donc je vais plus la penser et la saisir comme penseur de la condition humaine. Alors, c'est une œuvre difficile d'accès, et donc j'ai choisi, pour démêler un peu cet écheveau, d'y entrer par l'opposition ou l'articulation de ce qui relève en l'être humain du vivant et ce qui relève de son humanité. Hannah Arendt semble
opposer, condamner tout ce qui relève de la vie en l'homme. Or, c'est une approche réductrice, dans la mesure où elle a toujours été très attachée au fait qu'elle a une inspiration grecque et l'homme fait partie du cosmos, il fait partie de l'ensemble, donc il est hors de question de le détacher du reste des autres organismes vivants. Cela étant, la question qu'elle pose, c'est de savoir qu'est-ce que l'homme, quelle est sa tâche propre, sa tâche spécifique. Question aristotélicienne par excellence, hein, c'est la notion d'ergon. Et donc, c'est en soustrayant l'homme, en soustrayant en l'homme tout ce qui relève simplement de la vie, que l'on va pouvoir tenir cette chose spécifique qui est l'humanité de l'homme. Alors, elle va tracer donc... Alors, ce qui m'importe de dire, c'est que dans la vie, dans le vivant en nous, ce qu'elle stigmatise, c'est donc moins la vie que la temporalité spécifique de la vie. La vie, c'est l'écoulement, c'est le flux ininterrompu. Et avec l'humanité, nous entrons dans ce qui est véritablement une temporalité, c'est-à-dire un écoulement. Cet écoulement qui était homogène, qui va se diffracter en trois temporalités qui sont le passé, le présent et le futur. Et il est impossible de les séparer. Quiconque perd le passé, quiconque perd la mémoire, du même coup perd l'édifice temporel et retombe dans cet état végétatif naturel qui est l'écoulement, le flux. Je pense que vous voyez que nous n'en sommes pas loin de vivre justement dans ce type de temporalité. Or, l'épaisseur de l'être humain, elle est liée à cette sédimentation, à ces couches. Alors, Hannah Arendt accorde énormément d'importance, c'est un thème que j'ai travaillé justement au travers de la littérature, à la langue et notamment aux poètes, parce que notre langue, elle est riche de tout ce qui nous précède. Et donc, notamment, la langue, c'est la langue des poètes. Cette langue qu'elle a apprise, donc c'est pourquoi la langue allemande restera, en dépit de tout, sa langue maternelle et la langue fondamentale. Parce que, comme elle le dit, c'est dans cette langue que j'ai appris la poésie. Et rien ne se substitue à ce travail de sédimentation. Même si lorsque précisément elle va apprendre l'anglais, c'est par le truchement des poètes qu'elle va en saisir la spécificité, qu'elle va s'attacher à ce qu'il y a d'unique dans l'anglais. Et donc, c'est pas du tout cette langue universelle aujourd'hui, c'est une langue au contraire qu'elle veut apprendre dans son unicité, dans sa singularité. Alors, donc, à partir du moment où l'on s'attache à cette opposition du vivant et du spécifiquement humain, nous avons les trois grandes articulations qui structurent donc the human condition, ou la condition de l'homme moderne, qui sont le travail, l'œuvre et l'action. Pourquoi chez Arendt il y a ce qui peut passer pour une condamnation, mais qui n'est pas une condamnation, qui est simplement l'exigence de cantonner l'activité laborieuse, le travail, à une sphère limitée. Parce que cette activité a partie liée avec la vie, précisément. Or, ce n'est pas le tout de l'homme. Enfin, condamnation, je vous interromps juste sur ce point parce que c'est intéressant. Elle est quand même aux limites de la condamnation, et c'est son antimarxisme sans doute qui le lui indique, mais on y reviendra. Elle dit, par exemple, là, dans la condition de l'homme moderne, l'uniformité qui règne dans une société basée sur le travail et la consommation et qui s'exprime dans le conformisme est intimement liée à l'expérience somatique du travail en commun. Évidemment, parce que dans le travail, ce n'est pas le lieu de la différenciation, de l'originalité. Nous sommes aux antipodes de la pensée de Simone Veil, hein, et du travail comme lieu aussi d'accomplissement. Alors, son antimarxisme sans doute, mais surtout sa source grecque. Hein. La source grecque est essentielle. Le travail a partie liée avec les nécessités de la vie. Il n'y a pas à se rebeller contre cela, mais en revanche, il ne s'agit pas d'en faire l'activité suprême.
Passons à la seconde articulation, qui est donc la fabrication, la production et la création d'œuvres artistiques. Alors là, c'est absolument extraordinaire, c'est une articulation très importante, parce que Hannah Arendt est de ces penseurs qui font droit à l'exigence en l'être humain d'une permanence, d'une stabilité. Et j'ai trouvé très récemment, enfin ces derniers jours, confirmation de l'acuité de la pensée d'Hannah Arendt dans une conférence que le romancier Jonathan Franzen a prononcée concernant le débat sur le livre numérique, et il introduit dans cette discussion un argument très arendtien, puisqu'il explique que ce qui le heurte dans le support numérique, c'est que l'écran nous donne le sentiment que le texte peut à tout instant s'effacer, disparaître. Et il dit que un de ses grands plaisirs, ou d'une nécessité du lecteur qu'il est, c'est de précisément pouvoir reprendre toujours dans sa bibliothèque un livre qui est semblable à lui-même. Et donc, il dit, mon plaisir de lecteur est lié à la durabilité de l'objet, à son caractère immuable. Et il pose cette extraordinaire question. Il dit, cela étant, est-ce que dans 50 ans, ou même ceux qui viendront simplement après nous, et on peut se demander si ce n'est pas déjà le cas pour beaucoup, est-ce que ce besoin ne disparaîtra-t-il pas? Est-ce que véritablement le besoin de choses qui durent, qui se transmettent, sera encore un besoin éternellement humain? Je trouve que c'est un élément très précieux qu'il introduit ici. Et donc, je vous dis très arendtien, parce que le monde, ce qu'elle appelle le monde, les objets fabriqués de main d'homme, c'est renvoie précisément à ces objets qui sont susceptibles de durer au-delà d'une vie humaine et qui effectivement se transmettent de génération en génération. Songez aux bijoux de famille qu'on se transmettait, au mobilier que l'on se transmettait. Or nous vivons à l'époque du jetable et du remplaçable le plus fréquemment possible. Donc Hannah Arendt considère que c'est une nécessité pour les hommes que d'être entourés de quelque chose de permanent. Et évidemment, parmi les objets faits de main d'homme, l'objet qui résiste absolument à la mortalité, qui est potentiellement immortel, ce sont les œuvres d'art. Et c'est un fait que ce sont dans les œuvres d'art, que c'est dans les œuvres d'art que nous faisons l'expérience de cette continuité de l'homme, de cette permanence, la connaissance de la nature humaine dans ce qu'elle a de non historique, nous est révélée malgré tout par les œuvres d'art. Qu'une œuvre du Moyen-Âge ou de la Renaissance ait encore quelque chose à nous dire, montre bien que l'homme n'est pas réductible à son présent. Bon, il y aurait beaucoup de choses à développer, c'est une des articulations vraiment très très précieuses d'Hannah Arendt. La dernière enfin est la sphère politique. Alors, évidemment, Hannah Arendt a une proposition provocante et sur laquelle nos contemporains sont amenés à s'interroger, et de savoir que l'être humain réalise son humanité dans la sphère politique. Pourquoi ? Parce que la sphère politique est précisément cette sphère où nous sommes délivrés de la vie, délivrés des urgences vitales et libres pour le monde, pour répondre de ce monde dans lequel nous sommes entrés, auquel nous allons prendre part et que nous aurons à transmettre. Donc c'est la seule sphère, véritablement, où nous nous posons cette question de savoir dans quel monde voulons-nous vivre, et en se sentant les obligés des morts et aussi les obligés de ceux qui viendront après nous. C'est une pensée essentielle, c'est-à-dire que, et là on comprend mieux justement, toujours en reprenant cette articulation de la vie, du vivant et de l'humanité, le refus résolu d'Hannah Arendt de voir l'économie contaminer la politique. Parce que l'économie est au service de la vie, et surtout sa temporalité est la même. Le mouvement doit suivre son cours, rien ne doit l'interrompre, et surtout même rien ne doit le ralentir. Et c'est le politique qui va venir freiner, qui va venir s'interroger, poser la question de savoir, mais que faisons-nous ?
Donc, cette sphère est capitale en cela qu'elle est la sphère de la responsabilité où nous nous arrêtons de vivre pour justement nous demander ce que nous faisons, ce que nous laissons introduire dans le monde. Alors, donc ces trois grandes articulations mises en place, je vais, pour ne pas être trop longue, passer aux conséquences également de cette opposition vivant et spécifiquement humain. Je vais passer donc à la question de l'éducation. Alors, nous avons en Hannah Arendt un penseur qui reste d'une actualité tout à fait roborative, parce que elle pense donc l'homme, l'enfant, comme entrant dans un monde qui était là avant nous, qui est appelé à nous survivre, et cet enfant, les parents ne lui donnent donc pas simplement la vie. Ils le font entrer dans un monde, et dans ce monde, il faut l'introduire. Il faut lui raconter ce vieux monde, ce très vieux monde. Et si j'osais, j'irais jusqu'à dire que la fonction de l'école, pour Hannah Arendt, n'est autre que de former des héritiers. Et rien d'autre, pas des êtres qui sont dans le présent, simplement des êtres qui vont être chargés, lestés, du passé. Pourquoi ? Parce que il faut les rendre familiers de ce monde, leur apprendre à l'aimer, si nous voulons que demain ils en prennent la responsabilité, et qu'ils cherchent, alors ça c'est un thème arendtien qui mérite aujourd'hui d'être posé, qui est tout l'enjeu de la transmission, c'est que cette entrée, cette introduction dans le monde est nécessaire à la seule condition que nous voulions continuer le monde qui a été commencé par nos ancêtres. Je me pose de plus en plus la question de savoir si réellement nous avons ce dessein, si nous avons ce souhait. Et par conséquent, si tel n'est plus le cas, pourquoi transmettre ? Nous ne transmettons que si nous voulons continuer ce qui a été commencé. Le passé est chez Arendt une force inspiratrice pour l'action des vivants. C'est pas simple, ce n'est pas un fardeau qui nous tire en arrière. C'est au contraire ce qui nous inspire. Et assurément, l'apathie politique dans laquelle nous sommes a à voir avec le fait que nous ne racontons plus d'histoire aux générations qui arrivent. Nous n'avons qu'une obsession, c'est qu'ils s'y retrouvent. Lisez tous les responsables de l'éducation, lorsqu'on a introduit les civilisations chinoises, indiennes et africaines dans les programmes d'histoire-géographie, le responsable de l'association des professeurs d'histoire et de géographie n'a pas eu d'autre mot que de dire qu'il était enfin temps de permettre aux enfants d'origine immigrée de se retrouver dans les programmes. Non, il faut qu'ils découvrent le pays dans lequel ils sont, l'histoire qui a été commencée. Donc, c'est une pensée qui nous est absolument nécessaire pour saisir la signification de la transmission. Oui, j'insiste sur cette notion de droit à la continuité historique. Cette formule n'est pas arendtienne, mais je l'ai trouvée chez Ortega y Gasset, un homme qui parle très peu le langage des droits de l'homme et qui ne reconnaît au fond qu'un droit humain, qui est le droit à la continuité historique. C'est tout à fait arendtien, et c'est en effet le seul droit qui est bafoué aujourd'hui par l'école, par toutes les institutions qui seraient chargées de le satisfaire. Mais il n'a guère ou très peu de militants. Enfin, au sein même de sa réflexion sur l'éducation, il y a ce paradoxe qui n'est qu'apparent, que nous ne pouvons préserver l'originalité, la nouveauté dont les enfants sont porteurs, qu'à la condition qu'on leur transmette ce vieux monde. Pourquoi ? Parce que, donc comme je vous le disais, c'est grâce à cela qu'ils vont l'aimer, qu'ils en prendront peut-être demain la responsabilité, et c'est surtout qu'ils vont apprendre à développer les au présent, qu'ils aient la capacité d'être en porte-à-faux avec leur présent. Et la faculté la plus éminente en cela, c'est l'imagination ou le cœur intelligent. L'imagination, Arendt ne l'entend absolument pas au sens de la fantaisie.
Elle l'entend au sens kantien, qui est la faculté d'emmener son esprit en voyage, de se déplacer en esprit. C'est-à-dire de s'arracher, de s'extraire de soi pour justement accéder à des expériences qui ne sont pas nôtres. Et cela renvoie au thème travaillé très finement par Alain Finkielkraut avec Camus, et ce thème de l'exotisme. Et je vais peut-être aborder juste un dernier point, évidemment... Rapidement, parce qu'on y reviendra après, mais rapidement, oui. Bon, le dernier point était justement la question de la culture, de la distinction, pareillement, que l'on peut ordonner à partir de cette distinction vivant et humanité, c'est-à-dire que nous avons là la grande fracture entre l'homme cultivé, qui est un homme justement qui vit parmi et qui choisit ses compagnons parmi le passé, le présent et le présent, mais qui vit avec ces êtres, et l'homme culturel, qui lui n'a pas d'autre temporalité que celle de la vie. Pas d'autre temporalité que la vie, et pas d'autre critère que la vie, c'est-à-dire que l'homme culturel, il veut des produits toujours forts. Manifestations culturelles qui le font passer pour un homme. Puisqu'il n'a pas d'autres critères qu'il applique. Donc, j'espère que l'on reviendra sur ce point, mais je crois qu'Anna Arendt, là aussi, nous est très précieuse pour essayer de défaire un peu cet orgueil de ceux qui passent leur temps parmi les œuvres d'art et qui, en définitive, n'ont pas grand-chose à envier aux téléspectateurs de TF1. Et le dernier, vraiment tout dernier point, si vous voulez, ce qu'il y a de très riche dans son approche, c'est qu'elle nous montre bien que la culture est moins, sûr que ça a partie liée, mais est moins une question d'objet que de disposition à cultiver. C'est-à-dire précisément que pour être capable d'admirer une œuvre d'art, il faut savoir se mettre entre parenthèses, il faut être doué d'attention et qu'il faut justement rompre définitivement avec toutes les attitudes qui sont celles du vivant. Or, vous voyez de quelle faveur jouit aujourd'hui cette notion de vivant, notamment dans les institutions muséales, où il s'agit d'introduire les institutions signifiaient précisément de se dresser contre la vie, de se dresser contre ce mouvement, et aujourd'hui, elles n'ont qu'une aspiration, c'est d'y introduire les artistes contemporains pour prouver que elles sont des lieux de vie, des lieux vivants. Et dernière remarque, liée là aussi à l'actualité, vous avez constaté l'entrée, la substitution des audioguides au musée du Louvre par des consoles de jeux Nintendo, précisément pour que les enfants se retrouvent dans les musées comme en un lieu de vie, chez eux, familiers de ces instruments, et surtout comble de la réalisation, c'est que enfin les enfants en sauront plus que leurs parents. Or, j'ai visité le Louvre ces derniers temps, effectivement, avec observant certains détenteurs de cette console Nintendo. Ils ne regardent absolument plus les œuvres. Ils sont dans un coin où l'œil rivé sur la console de jeu quand ils ont l'œuvre sous les yeux. Donc, mais tout cela n'est que la manifestation de plus de vie au musée du Louvre, et la responsable de ses activités nous a dit qu'enfin le musée du Louvre allait être un lieu cool et un lieu où les enfants seront comme chez eux. Voilà, je m'arrête et j'espère qu'on pourra merci, plus de thèmes. Merci beaucoup Bérénice Levay pour cet exposé introductif à l'anthropologie d'Anna Arendt dans un lieu cool aussi, qui est, mais au bon sens du terme, qui est la règle du jeu. Merci, alors c'est vrai que je en vous écoutant, je m'interrogeais, puisque nous avons quand même le fil aussi de cette déclaration, de ce coming out Finkielkrautien, qui est « Je suis en délicatesse avec la gauche ». De quelle gauche, d'après vous, Alain Finkielkraut est Anna Arendt? Quelle est cette gauche qui veut assurer ou garantir, pour reprendre une expression qui lui était chère, la continuité du monde? Et je vais répondre à votre question, Alexis, parce que, en effet, je la crois très importante. D'abord, peut-être un mot pour saluer l'entreprise de Bérénice Levay,
il faut du courage et de l'intrépidité même aujourd'hui pour écrire sur Hannah Arendt. C'est un des auteurs les plus commentés de la scène philosophique et même intellectuelle. Les exégèses s'accumulent, les travaux s'empilent. C'est un phénomène massif, et faut-il le dire, même à l'échelle du contemporain, assez récent. Le dernier volume des origines du totalitarisme est paru en France en 1982. Quand je dis le dernier, ces volumes n'étaient même pas parus dans l'ordre. Il y avait eu d'abord le tome sur l'antisémitisme, puis le tome sur le système totalitaire, et enfin en 1982, et chaque fois c'était une édition différente, Kalman Levy, Le Seuil, Fayard, l'impérialisme. Hannah Arendt a longtemps souffert précisément de l'idéologie progressiste de la gauche. Et pour cette idéologie, toute comparaison, toute analogie entre le nazisme et le communisme était non seulement frappée de suspicion, elle était sacrilège. On ne lisait pas Hannah Arendt puisqu'elle avait écrit un livre fondé sur l'analyse de cette parenté. Hein? Le siècle des camps, les deux régimes qui avaient produit des camps. Voilà qui fâchait la gauche, et l'intelligentsia était majoritairement progressiste, donc il a fallu, si vous voulez, qu'éclate l'imposture totalitaire, justement, il a fallu en France le retentissement de la dissidence dans les pays de l'Est pour que Hannah Arendt surgisse dans toute son ampleur, dans toute sa grandeur. Alors, depuis, on s'est rattrapé. On s'est rattrapé, c'est vrai. Et il y a justement cet aspect fascinant d'une œuvre qui, d'un côté, démonte le système totalitaire et, de l'autre côté, développe une anthropologie. Mais même ce titre, Conditions de l'homme moderne, Bérénice Levet a eu raison de dire qu'il n'était pas juste. La condition humaine étant pris, on a dit la condition de l'homme moderne. Et d'ailleurs, le livre réapparaît aujourd'hui dans la collection Quarto, avec d'autres textes d'Hannah Arendt, sous le titre général, L'humaine condition. Il n'empêche que ce mauvais titre avait quand même une certaine valeur. Il est vrai que ce livre débouche sur une interrogation critique et même angoissée à propos de la modernité, et donc, si vous voulez, la richesse sans exemple de l'œuvre d'Hannah Arendt, c'est cette capacité qui est la sienne de mener une critique du totalitarisme sans pour autant céder à je ne sais quel enthousiasme pour le système qui s'est opposé au totalitarisme. Donc elle est capable de, si vous voulez, de penser les deux choses à la fois. C'est l'une des raisons de son succès actuel, et je reviens à ce que je disais au début, il faut de la bravoure pour continuer à écrire après tous ces commentaires. Et la singularité, justement, de l'œuvre du livre de Bérénice Levet, c'est qu'elle réussit à dire des choses absolument nouvelles parce qu'elle entreprend la lecture d'Hannah Arendt, comme l'a dit Alexis Lacroix, au travers de son souci pour la culture. Or,
un livre d'Hannah Arendt est paru sous le titre « Crise de la culture », mais elle est envisagée en France, et pour de très bonnes raisons, surtout comme philosophe politique. Donc c'est une dimension de son œuvre encore oubliée ou occultée par ceux-là même qu'Hannah Arendt passionne. Donc, intrépidité de ce livre, nouveauté de ce livre aussi. Et s'il m'avait été demandé de présenter Hannah Arendt, la présentation de Bérénice Levet était très brillante, je serais parti d'une phrase qui revient dans son œuvre comme un leitmotiv et qui est d'une simplicité abyssale, si je puis dire. Ce n'est pas l'homme qui habite la terre, ce sont les hommes dans leur pluralité infinie. On se dit, bah oui, c'est un constat presque banal. Mais ce constat banal, justement, on oublie de le faire et d'en tirer toutes les conséquences. Et Hannah Arendt tire toutes les conséquences de ce constat banal. Et c'est là, justement, qu'elle est à la fois penseur politique et penseur de la culture, parce qu'après tout, la philosophie s'est passionnée pour l'homme, bien sûr, avant même la naissance de l'anthropologie. Qu'est-ce que l'homme ? C'est la question philosophique, avec tous les « qu'est-ce que » d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est la question philosophique par excellence, et notamment « qu'est-ce que l'homme ?» Mais la littérature ne cesse de rappeler à la philosophie ce qu'elle peut avoir tendance à oublier, c'est-à-dire derrière l'homme, les hommes. La littérature, l'art, sont gardiens de la pluralité. Et il y a derrière, donc, dans la littérature, une ontologie que, précisément, Hannah Arendt contribue à faire ressortir. Oubli de l'être, dit Heidegger, et d'une certaine manière, Hannah Arendt ajoute oubli de la pluralité par la pensée abstraite et notamment par la philosophie, rappel à la pluralité par la littérature. Proust dit, cité par Barthes, c'est à la cime du particulier qu'éclot le général. Eh bien, voilà comment fonctionne la littérature. Hannah Arendt prend l'art très au sérieux, une œuvre de pensée, en effet, comme le dit Bérénice Levet dans son livre. La littérature pense, l'art pense. Mais qu'est-ce que ça veut dire, penser ? Ça veut dire nous dévoiler le monde. La littérature cherche la vérité, comme la philosophie. Mais, évidemment, elle le fait autrement, par le biais de l'individualité. C'est à la cime du particulier qu'éclot le général. Bon, voilà, bref, ajout que je voulais faire à la présentation de Bérénice Levet pour insister sur l'originalité de son travail, l'originalité et la nécessité. Ce n'est pas pour rien que les références à l'art et à la littérature parsèment l'œuvre d'Hannah Arendt, c'est pour des raisons très profondes, liées précisément à cette découverte du fait que ce n'est pas l'homme mais les hommes qui habitent la terre. Et maintenant je vais essayer, Alexis Lacroix, de répondre à votre question. Elle est très importante en effet. Hannah Arendt, on ne savait pas comment la classer. Et donc, un jour, de 1972, dans un colloque à Toronto, on lui a posé la question. Hans Morgenthau, je crois. Mais alors, vous êtes quoi ? Hans Morgenthau, c'était un néoconservateur, d'ailleurs, lui, hein, oui. Qui devait rêver de l'enrôler. Ouais. Êtes-vous libéral au sens américain ? Libéral aux États-Unis, ça veut dire de gauche. Ou bien êtes-vous de droite, c'est-à-dire conservatrice ? Liberal conservative. Et Hannah Arendt dit, écoutez, je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Et en plus, j'en ai rien à faire. Les questions importantes de ce temps ne peuvent pas être traitées de cette manière. Et d'ailleurs, l'exposé de Bérénice Levet nous éclaire sur cette position.
où il ne faut voir nulle coquetterie, nulle posture. Dans l'opposition qui a été faite par Bérénice Levay entre justement le spécifiquement humain et le processus vital, il y a chez l'homme la capacité de commencer quelque chose de neuf et le fait d'habiter un monde. Ce qui veut dire que, pour Hannah Arendt, le besoin de changement, bon, le parti du changement, si vous voulez, c'est quand même un mot qui résonne aujourd'hui. Le changement, c'est maintenant. Le besoin de changement et le besoin de stabilité, de continuité, sont des aspirations également légitimes et qu'il est absurde de séparer en deux parties inconciliables. Et si la gauche, en effet, se résume au changement et fustige le besoin de stabilité, alors elle a un problème. Parce que de quel changement peut-il s'agir si précisément ça ne surgit pas au sein d'un monde? De quel changement, de quelle nouveauté sommes-nous capables si nous ne sommes plus les héritiers de rien? Voilà la question d'Arendt. Et je me reconnais tout à fait, bon, mutatis mutandis, hein, je ne me prends ni pour elle, ni même pour son héritier, mais je me reconnais dans son attitude, avec quand même une question. Parce qu'Hannah Arendt, et ça, c'est, comme l'a dit Bérénice Levay, sa référence à la source grecque, introduit une dichotomie très radicale entre le politique et le social. Oui. Alors, justement, quand vous dites ce matin, on va creuser ce point aussi avec Bérénice, quand vous dites ce matin, dans le journal du dimanche, il faut se mettre humblement à la place des politiques. Vous pensez que une Hannah Arendt, aujourd'hui, essaierait de durcir encore cette dichotomie entre le politique et le social en essayant de redonner aux politiques son essence grecque, ou bien elle se résoudrait à ce que le politique soit complètement absorbé dans ce qu'elle a appelé, je crois, l'immense administration ménagère. Je ne pense pas qu'elle... ce serait absurde de parler à sa place, mais l'idée de se mettre à la place des politiques, c'est une idée qui a été exprimée textuellement par Raymond Aron. Et je trouve très belle, si vous voulez. Quand on est un intellectuel, il faut faire attention, justement, à ne pas prendre la pause. Et cet exercice recommandé par Raymond Aron me semble salubre et même salutaire. Et je ne crois pas que Hannah Arendt y trouverait quelque chose à redire. Mais là, il s'agit de politique étrangère. Simplement, oui, le processus vital envahit la politique aujourd'hui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un État-providence ou une démocratie providentielle, pour reprendre la terminologie de Dominique Schnapper, sinon précisément l'état de bien-être? Et nous le voyons avec la crise même de l'Europe. Pourquoi les dépenses publiques sont très importantes, et à l'intérieur des dépenses publiques, l'une et l'autre, quand elles sont au pouvoir, augmentent les dépenses sociales. Après tout, le RSA est une mesure prise par un gouvernement de droite et qu'un gouvernement de gauche, bien entendu, ne va pas annuler. Donc, nous vivons dans cette perspective du bien-être. Et en 2002, je me souviens que les objectifs de Jacques Chirac allaient dans ce sens. Lutter contre la violence routière, lutter contre le cancer, améliorer la situation des personnes dépendantes, c'était les trois priorités de son quinquennat qu'il avait établi en 2002. Toutes concernaient la vie. Et donc on est partagé, c'est-à-dire d'un côté on se dit, mais Hannah Arendt a raison, le bien-être et le bien-vivre ne peuvent pas être confondus, mais d'un autre côté, au nom de quoi, surtout quand on jouit soi-même d'une situation matérielle correcte, quand on vit dans l'aisance, au nom de quoi refuserait-on
à la politique, justement, le souci du social. Mais le souci du social, ça peut faire entrer l'économie dans la politique et ça peut amener l'économie à se substituer à la politique. Là où, précisément, doit être maintenue la distinction, et je terminerai là-dessus parce que j'en reviens ainsi à l'exposé de Bérénice Levay, c'est dans ce qui concerne l'éducation. C'est là, si vous voulez, que, justement, la politique, au sens arendtien, doit reprendre ses droits. Ah, alors, vous m'autorisez à... Ce n'est pas la vie, c'est autre chose. C'est effectivement... instruire les élèves, c'est au sens arendtien, les mettre au monde. Et les mettre au monde, donc, en effet... en faire des héritiers. Or, aujourd'hui, et le mot héritier a été très bien choisi par Bérénice Levay, parce que c'était le mot, c'est le mot de Bourdieu. Et Bourdieu a dit, voilà, les héritiers 1964 ou de 65, le livre écrit avec Jean-Claude Parson. Jean-Claude Passeron. L'égalité des chances est un leurre. Il y a des héritiers, c'est-à-dire des gens qui bénéficient d'un avantage, d'une sorte de délit d'initié. Ils vivent dans un climat culturel favorable. Ils ont une certaine richesse ou souplesse de vocabulaire. Ils fréquentent les musées et les théâtres. Ils ont un avantage. Et c'est eux, évidemment, qui deviennent les meilleurs élèves. Ce n'est pas une affaire de talent, c'est une affaire de privilège. Et toute la question était de savoir, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Est-ce qu'on va essayer de rendre héritiers par l'école ceux qui ne sont pas par la famille? Ou est-ce qu'on va déshériter tout le monde? Le choix a été celui de déshériter tout le monde, pour qu'il n'y ait plus de délit d'initié. Et ça, c'est absolument terrible. Et c'est en effet, comment dire, ce que... c'est là où il faut être indéfectiblement arendtien. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de reprendre à son compte cette dichotomie radicale entre le politique et l'économique et le politique et le social, sauf pour ce qui concerne l'école. Là, il faut être intransigeant. Quand je dis il faut, il aurait fallu, parce que les dés sont jetés. Ah oui, alors Bérénice Levay, oui, justement, au contrepoint à cette remarque, voilà. Et après j'aurai une question à vous poser à d'accord. tous les deux. Non, j'aurais voulu en effet revenir sur cette question des héritiers, parce que la façon dont Arendt pose la question nous permet de penser que la question, l'enjeu de l'intégration concerne tout enfant, y compris, si j'ose utiliser l'expression, le français de souche. Parce que le problème, c'est que c'est une illusion complète de croire qu'il y a des héritiers aujourd'hui de la culture française. J'enseigne dans des lycées privés du 7e arrondissement, j'ai des fils et des filles de ministres. Je peux vous dire qu'ils sont aussi dépossédés de cet héritage que dans les ZEP. Alors certes, ils sont des héritiers financiers et ils n'ont aucun problème, mais il n'empêche qu'ils ne fréquentent pas plus les musées, qu'ils n'ont pas plus de culture. Je suis en plus dans des lycées catholiques, et autant dire que la religion catholique, ils l'ignorent complètement. Donc il faut cesser aussi avec cette mascarade, parce que il n'y a plus d'héritiers. Nous ne fabriquons plus, parce que justement, l'héritage n'est pas biologique. Et nous, l'école n'a plus vocation à fabriquer des héritiers. Donc, je crois réellement que Arendt nous est précieuse pour cela, parce que la question de l'intégration, de l'introduction dans un monde vieux, très vieux, eh bien, il est la mission de l'école et de toute école. Et les professeurs, qui ne parlent pas la langue la plus rigoureuse qui soit, eh bien, sont les premiers à renoncer à cette mission. Donc voilà, c'est juste. Alors oui, non mais moi j'en ai une avant. Ah bon, alors. Alors vous allez voir. C'est le chef. Ouais, non, je suis pas le chef, mais juste j'en ai une avant justement pour illustrer ce que vous venez de dire l'un et l'autre. Dans vos dialogues avec Benny Lévy, qui a été votre ami, ainsi que de Bernard-Henri Lévy, au sein de cet institut d'études lévinassiennes, vous lui dites, évidemment lui c'est un adversaire de la laïcité, il est pour le livre contre les livres, il se réjouissait même, pour la petite histoire, de la destruction des Bouddhas de Bamiyan, pensant que c'était
Ah bah, pensant que c'était un geste anti-idolâtre, justement. Alors, là, non mais... Mais j'ai jamais entendu dire une chose, une monstruosité pareille. Bon, enfin, en tout cas, c'était quelqu'un qui n'était pas pour les livres, et ce n'est pas une accusation que de dire ça. C'est pas un taliban, quand même. Non, mais évidemment, non, mais c'est pas ce qu'on dit. Mais dans ce lieu cool qui est la règle du jeu, on peut dire la vérité. Donc, vous lui opposez, justement, votre attachement au livre, au pluriel, et vous dites « la démocratie du ressentiment remplace la démocratie de l'émulation dont j'ai été l'un des derniers bénéficiaires ». Alors c'est sans doute évidemment très vrai, mais à ce stade de notre conversation, comment, si on s'en tient à une dichotomie très nette, la dichotomie arendtienne, comment on reconstruit une démocratie de l'émulation dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui en 2012, sans tenir un discours qui apparaîtrait comme marqué au coin d'une nostalgie et d'une certaine impuissance? Alors, d'abord, je répète, j'ai eu des discussions très sévères avec Benny Lévy, l'ancien secrétaire de Sartre, le leader de la gauche prolétarienne, devenu juif orthodoxe. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il se réjouissait de la destruction des Bouddhas de Banyan. Alors, si bon tact, il l'a peut-être dit, mais pas devant moi, et s'il l'avait dit devant moi, j'aurais poussé de très hauts cris. Donc, la citation que je voulais vous donner, c'est une citation d'un penseur bolivien, Nicolas Gomez Davila. La seule différence entre les riches et les pauvres aujourd'hui, c'est l'argent. C'est une citation d'une portée absolument extraordinaire et qui illustre très bien les propos tenus par Bérénice Levet sur ses élèves venus des classes favorisées. Peut-être vivons-nous, en dépit des disparités économiques, sous le régime de la classe unique. Triomphe de la petite bourgeoisie. C'est une possibilité. Comment répondre? Eh bien, d'abord, en réhabilitant la nostalgie. Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire de la nostalgie un sentiment pathologique. Elle peut être aussi une Stimmung, c'est-à-dire une manière d'être au monde qui en dévoile une certaine vérité. On peut avoir la nostalgie de choses disparues qui valaient mieux que les choses d'aujourd'hui. Si demain nous avons la nostalgie du livre, si les prédictions de Jonathan Franzen se réalisent, nous aurons raison d'être nostalgiques, les nostalgiques auront raison. Mais bien sûr, on ne peut pas bâtir une politique sur la nostalgie, même si la nostalgie peut aider à instruire une politique. Simplement, il faut se garder de toute démagogie vitaliste ou démocratique. Et c'est là justement qu'on peut s'inquiéter sur ce qu'est devenu la gauche. Parce qu'après tout, le grand souci de la gauche aurait dû être justement celui d'un élargissement de l'héritage. Il y a des héritiers, il y a des dépossédés. Les dépossédés, essayons de leur donner une part de l'héritage. Mais si un ministre de l'éducation, lui-même philosophe, spécialiste de Merleau-Ponty, dit à l'issue d'un colloque de la FCPE, une fédération de parents d'élèves qui est devenue une véritable secte, s'il dit à l'issue de ce colloque « je suis le ministre des élèves », eh bien ça veut dire que la gauche a renoncé à ce qui faisait, à mes yeux en tout cas, l'essentiel de son message, la part arendtienne de son idéologie, si vous voulez. Non. Et donc, il ne s'agit plus de cela. Or, c'est à cela qu'il faudrait revenir, mais évidemment, ce serait aujourd'hui extrêmement difficile, car la transmission ne va de pair
avec l'exigence, avec la rigueur, avec l'effort, avec l'émulation, c'est-à-dire avec la sélection. Et là, si vous réintroduisez la sélection, vous mettez les élèves et les syndicats dans la rue. Si vous dites que le redoublement, c'est évidemment la décision sans appel des professeurs, vous avez les parents d'élèves aux fesses. Et de tout cela, les hommes politiques aujourd'hui ont peur. Mais il me semble que le courage en politique aujourd'hui se mesure à cette question, à son rapport à l'éducation, à sa capacité, à sa capacité de tenir tête, justement, pour utiliser un vocabulaire aujourd'hui banni, aux corps intermédiaires. Oui, alors d'accord, ça probablement, mais en même temps, est-ce que vous défendez Benny Lévy contre les mises en cause taquines que je faisais? Moi, je vais à mon tour défendre le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il représente cette ligne de complicité avec les corps intermédiaires, cette ligne sociétale, molle, qui a été celle, disons, d'une deuxième gauche pendant de nombreuses années, mais qui aujourd'hui semble quand même en net recul au sein même de ce gouvernement? Je pense que, malheureusement, comme je le disais à la fin de mon exposé, mais là je serai très bref pour céder la parole à Bérénice Levet. Oui, enfin, c'est une question importante. Oui, mais je pense que les dés sont jetés. Je pense en effet que maintenant, nous sommes dans l'univers des slogans, la réussite pour tous. La réussite pour tous, aujourd'hui, si vous voulez, se traduit par l'humiliation des professeurs. Et là, il faut se référer toujours à l'extraordinaire texte d'Anna Arendt sur la crise de l'éducation, des professeurs auxquels, que l'on contraint aujourd'hui aux examens à remonter leurs notes. Si ils notent les élèves suivant leurs valeurs, ils sont, si vous voulez, sanctionnés par leur administration. Voilà où nous en sommes avec la réussite pour tous. Aujourd'hui, malheureusement, ira en s'aggravant. Oui, j'aurais voulu juste introduire une citation, moi aussi, concernant la démagogie qui règne à l'école. Et c'est une citation empruntée à Proust et à un texte absolument remarquable intitulé « La jeunesse flagornée ». Et il dit, mais c'est tellement aux prises avec la situation contemporaine, « Loin de s'autoriser de ce qu'ils sont nos aînés pour devenir nos maîtres, ils prétendent aller à l'école chez nous et dissimulent qu'ils détestent en nous des successeurs en nous admirant comme des courtisans. Ils écoutent la jeunesse ils écoutent la jeunesse au lieu de lui parler. » Et Proust de s'étonner qu'aucun jeune homme ne se soit encore récrié nous n'avons rien à dire parce que nous ne pensons à rien. Eh bien moi je rêve voilà de ce moment en effet où la jeunesse va se révolter contre cette démagogie. Et là aussi, mon expérience me prouve que les élèves ne sont pas les premiers à demander cela et sont peut-être les premières victimes, dans certains cas, de cette démagogie qui leur donne sans cesse la parole. Enfin, la formidable formule d'Alain Finkielkraut, hein, on leur donne la parole avant de leur donner la pensée, avant de leur donner la langue. Mais justement, comme la langue et la pensée sont quelque peu liées, enfin plus que liées. Mais donc, en tout cas, c'est cette expression hein, de ne pas s'autoriser d'être nos aînés pour devenir nos maîtres. Je crois que c'est quand même le gros problème de l'école actuellement. Hein. Alors, on peut élargir justement cette belle réflexion commune que vous menez à l'anthropologie, puisque c'était notre point de départ hein, dans ce séminaire. Vous écrivez, Bérénice Levet, « L'homme arintien est un bâtisseur de monde, de civilisation, mais bâtir, ce n'est pas partir de rien, c'est augmenter les fondations. » Alors, est-ce que aujourd'hui, vous êtes certain qu'on ne veut plus augmenter les fondations, et en quoi cet éventuel renoncement est-il lié à la prohibition du thème même
de l'identité, de la, toute référence à une identité, et je pense notamment, parce qu'on ne va pas s'enfermer dans le franco-français, à la référence à une identité européenne, tout simplement. Oui, oui. Alors, bon, je l'ai quelque peu abordé dans ma présentation. En effet, l'homme est un constructeur, un bâtisseur de civilisation, de monde, et ce qui est capital, c'est de lui transmettre les histoires qui sont constitutives de cette civilisation, en sorte que dès lors que le passé, l'histoire n'est plus transmise, on peut quand même largement mettre en question la volonté de poursuivre la civilisation commencée. Bon, c'est aussi la formule de Martine Aubry et de son programme, changer de civilisation. Il y a malgré tout en œuvre une volonté de rompre avec l'histoire que nous avions commencée. Pas forcément, parce que ce qu'elle entend par civilisation, c'est la civilisation technoscientifique et néolibérale que son parti s'est juré, disons, d'humaniser. Oui, donc, ça n'est pas la civilisation européenne qui est en jeu, là. Attention. Non, c'est changer quand même un monde où il y a une certaine homogénéité ou un certain héritage est transmis. Alors, pour être encore plus large et justement ne pas répéter ce que j'ai déjà dit, c'est un point quand même très important chez Arendt, et justement si nous abordons la question des écrits juifs, c'est un thème qui est récurrent, enfin un thème qui revient très régulièrement dans sa réflexion sur le peuple juif, c'est qu'elle regrette que la transformation de ce qu'elle appelle le judaïsme réformé ait rompu avec la transmission de l'histoire juive, des récits juifs qui sont constitutifs de la mémoire et qui permettent d'alimenter, de nourrir une action politique. Hein. Et là, il y a deux textes absolument remarquables. Alors, justement, c'est un des avantages de cette édition des écrits juifs d'Anna Arendt, que d'ajouter un texte où elle évoque Martin Buber et elle a des pages extraordinaires justement sur cette nécessité de transmettre une histoire vivante. Je cite juste de la science du judaïsme qui depuis des générations cherchait à enterrer un peuple vivant sous le monument de la philologie exacte et de l'histoire morte. Martin Buber a fait une science juive. Cette science cherche à mettre les choses les plus lointaines du passé biblique en un rapport vivant et actuel avec notre existence aujourd'hui. Et dans un texte, alors là en revanche que nous connaissions déjà puisqu'il était dans la tradition cachée, mais elle écrit « Aussi longtemps que l'histoire de Pessah ne nous apprendra pas la différence entre la liberté et l'esclavage, tant que la légende de Moïse ne nous remémorera pas dans notre cœur et dans notre esprit la rébellion éternelle contre l'esclavage, le plus ancien document du genre humain demeurera lettre morte et muette, y compris pour le peuple qui l'avait autrefois rédigé. » Bon, je vous invite à lire la suite parce que c'est un très très beau texte. Mais en tout cas, il y a vraiment cette importance accordée aux histoires, aux légendes même. Hein. Elle utilise notamment dans le volume l'impérialisme, les légendes de fondation, parce que il faut bien comprendre que pour Arendt, le passé, comme je le disais tout à l'heure, est une force qui nous pousse, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'éloigne de nous, c'est quelque chose qui renferme les fondations, en sorte que nous ne pouvons avoir une dynamique politique, un souffle inspiré, que si nous allons nous y ressourcer, y puiser notre inspiration de vivant. Et donc on a eu tendance à considérer qu'Anna Arendt, et c'est une réalité, condamnait les nations, mais elle ne condamne pas par contre cette vivacité d'un peuple qui vit autour de ses histoires. Et quand elle écrit Un Revolution, l'essai sur la révolution, elle s'attache à raconter les mythes fondateurs du peuple américain, parce que sa vitalité politique, elle se trouve posée dans ces moments premiers, inauguraux. Voilà. Ce que vous dites est absolument remarquable. C'est vrai que ça entrelace bon, les identités européennes, américaines, puisque vous venez de l'évoquer, et aussi la traversée des juifs dans l'histoire bimillénaire de l'Europe. Alors, justement, là on est... Non mais...
Je vais vous laisser la parole, vous allez voir, ne vous impatientez pas. Je ne m'impatiente pas, mais j'ai peur de la question. Non, pas du tout. C'est, à mon tour, je sors une citation, puisque j'ai compris que vous fonctionniez beaucoup par référence et citation. J'en couvre aucune, extraite aussi de ce volumineux recueil, là, Les écrits juifs. Et donc, elle écrit dans l'histoire juive revisitée, et ça, on est sans doute au cœur de... Toute l'incompréhension qu'il a visée. Incompréhension peut-être justifiée d'ailleurs, mais je vais vous dire pourquoi. Elle écrit « Consciemment ou non, les historiens juifs du siècle dernier, autrement dit du 19e siècle, ont pris l'habitude d'ignorer systématiquement toutes les tendances du passé qui contredisaient leur principale thèse concernant l'histoire de la diaspora. » Principale thèse, donc, selon laquelle les Juifs n'auraient pas eu d'histoire politique propre, mais auraient constamment été les victimes innocentes d'un milieu hostile et parfois violent. Donc, visiblement, elle s'en prend, là je parle sous votre contrôle, mais à des gens comme Franz Rosenzweig, à une histoire, disons, ou même à Scholem, à une histoire du judaïsme européen comme Acosmi, hein, comme écart par rapport à l'identité européenne. Et donc ma question est très très simple, Alain Finkielkraut, vous avez pensé la condition juive moderne avec elle en partie, avec d'autres, est-ce qu'elle ne rêve pas un enracinement dans la longue durée de l'histoire européenne, un enracinement dans des juifs dans l'histoire politique de l'Europe qui n'a été en fait que le fait de parenthèses heureuses et presque miraculeuses, mais finalement très rares. Ah, je redoutais votre question, j'ai eu raison. Et de la redouter ? Oui, j'ai eu raison, mais quand même, je vais essayer de me prêter à l'exercice. Hannah Arendt, il faut le savoir, il faut le redire, a été dans les années 30, notamment la période où elle a vécu à Paris. Elle a quitté l'Allemagne dès 1933, pour des raisons qui n'ont pas besoin d'être explicitées. Elle a été sioniste. Elle a rompu avec le sionisme avant même la naissance de l'État d'Israël, mais en 1973, elle a écrit, je crois que c'était à Mary McCarthy, que ce serait pour elle une catastrophe personnelle si l'État d'Israël venait à disparaître. Donc, elle avait quand même conscience que les Juifs pouvaient avoir besoin d'une existence politique autonome et que celle-ci pouvait passer par un État. Pour le reste, Hannah Arendt reproche, peut-être à juste titre, à un certain nombre de penseurs juifs de réduire, de simplifier, d'obscurcir la vie en diaspora, qui n'a peut-être pas en effet été uniformément négative. Mais c'est là qu'on peut lui retourner le reproche. Parce qu'il y a quand même un livre d'Hannah Arendt qui est très contestable. C'est son livre sur Eichmann. Un livre très riche, au demeurant, avec des fulgurances, notamment le discours qu'elle tient, qu'elle imagine en quelque sorte, qu'elle tient à Eichmann, pour dire les raisons qui la poussent à approuver la peine à laquelle il a été condamné, à savoir la peine de mort. Vous savez qu'un certain nombre de penseurs, notamment Gershom Scholem, s'étaient opposés à la peine de mort en disant « le crime est inexpiable, donc il ne peut pas être expié par cette peine ». Et là, elle a cette phrase admirable, que je cite de mémoire, donc mal, « puisque vous n'avez pas voulu partager la planète avec les Juifs et avec un certain nombre d'autres peuples, nous refusons de partager la planète avec vous. » Elle dit à ce moment-là la singularité, l'unicité du crime contre les Juifs. Ce n'est pas seulement un génocide, ni même le pire des génocides. Ce crime relève d'une décision qui n'a jamais été prise avant et qui d'ailleurs n'a jamais été prise après.
Il y a eu d'autres génocides, hélas, mais personne n'a dit nous allons faire disparaître telle ou telle nation de la surface de la Terre. Les Juifs ont été poursuivis jusqu'à Shanghai. C'était quand même une situation unique dont elle a perçu l'unicité. Mais d'un autre côté, comme vous le savez, elle s'en est pris au Conseil juif en disant que si les Juifs n'avaient pas été organisés, alors il y aurait des dévastations, il y aurait de la misère, mais il n'y aurait pas eu entre 4,5 millions et 6 millions de morts. Mais qu'est-ce que ça veut dire si les Juifs n'avaient pas été organisés ? Cette phrase est absurde, puisque précisément, les Juifs étaient une communauté, étaient une collectivité. Donc, ils ne pouvaient pas ne pas être organisés, car ils avaient cette réalité politique. Donc, cette phrase n'a aucun sens. Et d'ailleurs, on peut même aggraver le reproche, parce que Hannah Arendt parle de l'imagination, qui n'est pas simple, qui n'est pas le fantasme, qui n'est pas les rêves que l'on peut caresser. C'est la capacité pour l'intelligence d'aller en visite, de se mettre à la place. Elle ne s'est pas mise à la place d'Adam Tcherniakov, le chef du Conseil juif de Varsovie, qui s'est suicidé d'ailleurs quand on lui demandait l'impossible. Donc, voilà, ça c'est une des questions quand même et où, que sur laquelle, l'œuvre de Hannah Arendt ne cesse de poser. Et sur laquelle vous rejoignez ponctuellement, disons, le reproche que Gershom Scholem lui a formulé de manquer de tact, non. Tact que fulle, hein, comme il dit. Non, je ne dirais pas cela, parce qu'elle a une très belle réponse. Moi, je reprendrai à mon compte l'expression « amour d'Israël » qu'elle récuse, bon, pour des raisons qui nous entraîneraient trop loin, mais elle ne dit pas, elle ne plaide pas la rationalité. Moi, je suis froid et rationnel, sine ira et studio. Non, elle dit « j'ai de la gratitude pour le fait, justement, d'être née juive ». C'est une affectivité contre une autre affectivité. Mais en revanche, Gershom Scholem lui fait dans une deuxième lettre, beaucoup moins connu que cet échange auquel vous avez fait allusion, un reproche très simple et très profond. Et il n'est pas convaincu par la thèse de la banalité du mal. Alors, Hannah Arendt ne dit pas c'était un mal ordinaire. Elle dit c'était un mal absolu. On n'a jamais... Bon. Mais elle dit, l'homme qui a fait cela était un homme, un petit fonctionnaire. Un homme précisément incapable d'imagination, vivant dans les clichés, qui ne savait même pas ce qu'il faisait, et c'est pour ça qu'il a pu le faire. Pas de profondeur, rien de démoniaque. Elle retire au mal, ou le XXe siècle, dit-elle, a retiré au mal, justement, l'attribut du démoniaque. Peut-être, en effet, Eichmann n'est-il pas démoniaque, mais Gershom Scholem lui dit, quand il était sanglé dans son bel uniforme, c'était pas un petit fonctionnaire banal. Et il y a des photos de lui qui le montrent. Il était très content de ce qu'il faisait, très content de la supériorité que ça lui donnait. Il y avait quelque chose de sadique en lui, en effet. Et peut-être a-t-elle été abusée par le mode de défense d'Eichmann, parce que la seule manière pour lui de sauver sa peau, qu'il n'a pas sauvée au bout du compte, c'était de dire qu'il était obéissant, et c'était de présenter, si vous voulez, une image aussi médiocre que possible. Je crois que Hannah Arendt a trompé, d'ailleurs elle est obligée elle-même, parce qu'elle est honnête, de citer certaines phrases d'Eichmann qu'elle attribue à sa vantardise, mais quand même il dit « je sauterai dans ma tombe de joie à l'idée des 5 millions de juifs que j'aurais contribué à mettre à mort ». Bon, vantardise ou pas, ce n'est pas une phrase de petit fonctionnaire. Donc, c'est là-dessus que finalement, j'ai longtemps été moi-même fasciné par l'expression de banalité du mal, et je suis peu à peu revenu de cette fascination. Il y avait chez Eichmann une part de fanatisme, donc je préfère la thèse des origines du totalitarisme et la réflexion d'Hannah Arendt admirable sur les méfaits de l'idéologie. Je crois plus à l'idéologie, si vous voulez, qu'à la banalité du mal. L'idéologie, d'ailleurs, qui nous ramène à ce que nous disions au début, c'est les hommes dans leur pluralité qui habitent la Terre. Or, le XXe siècle, comme l'a montré
Alain Badiou a été fasciné par le chiffre 2. Deux subjectivités s'affrontent à niveau planétaire. Et cela, c'est précisément les deux mouvements totalitaires qu'il affirmait. Hein ? Et voilà. Et donc, il faut remporter la victoire. C'est une sorte de tout ou rien entre les Juifs et nous, disait Hitler. Et Eichmann croyait en cela, croyait en la nécessité d'éradiquer le judaïsme de la Terre pour sauver l'humanité. Si vous me permettez, Alain, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant que les travaux actuels vraiment rendre impossible cette thèse de la banalité du mal appliquée à Eichmann. Pour résumer, ça serait l'objet d'un séminaire, mais ils insistent plutôt sur le caractère rédempteur de l'antisémitisme, pour parler comme ça lui Friedlander. C'est à l'idée qu'on sauve le monde, on sauve l'humanité en exterminant les Juifs. Et ça, évidemment, Hannah Arendt l'a manqué, l'a pas vu. Voilà, mais ce qu'il y a malgré tout, je pense, à retenir dans cette notion de banalité du mal, c'est la prise en compte du fait quand même qu'une nouvelle modalité du mal est introduite dans la mesure où elle n'exige aucun vice, aucune méchanceté fondamentale pour justement commettre le pire, la pire des horreurs. Donc il y a cet avantage. Et puis dans la réflexion d'Arendt sur la banalité du mal, ce que lui donne à penser aussi le professeur Eichmann, c'est que le criminel nazi est un homme qui ne pense pas. Et qu'entend tel par ne pas penser, c'est-à-dire ne jamais actualiser la dualité essentielle à l'être humain, c'est-à-dire le deux en un. Le criminel nazi, mais les travaux sur les criminels staliniens vont dans le même sens, c'est celui qui n'a jamais rendez-vous avec lui-même. Et le fait justement de ne jamais s'arrêter, je retrouve mes articulations, mais le fait de ne jamais s'arrêter de vivre pour s'interroger sur ce que nous faisons et sur ce qui se produit dans le monde, eh bien ouvre la voie au pire des actions. Donc dans cette notion de banalité du mal, il y a malgré tout ces deux aspects à retenir, parce que là aussi c'est un aspect occulté de l'œuvre d'Arendt, hélas, mais il y a une réflexion concernant la conscience morale. La conscience n'est pas une question de voix de Dieu, de commandement de Dieu qui s'adresserait à nous, pas de voix de la raison au sens kantien, mais la conscience jaillit dans la solitude du foyer, dans ce moment où je me retrouve seule avec moi-même et où je m'interroge sur ce que j'ai fait, ce que je dois faire. Et celui qui ménage, organise sa vie de telle sorte que précisément il soit sans cesse dans l'occupation, dans l'affairement, et rend impossible tout retour au foyer, dans la solitude, ce qui est quand même là aussi une des tendances d'aujourd'hui, d'avoir une vie toujours occupée qui nous assure de surtout ne jamais nous rencontrer ou avoir rendez-vous avec nous-mêmes, c'est ce qui ouvre la voie au mal. Et autre thème aussi que l'on pourrait rattacher à la banalité du mal, ce sont les textes de Günther Anders sur le fait que, il y a cette terrible formule, terrible par sa simplicité, le monde s'éteindra comme on éteint une lampe, c'est-à-dire non pas sous le coup nécessairement de la méchanceté, mais d'une indifférence, de quelque chose comme ça qui glisse, l'air de rien, et les choses disparaissent. Donc on est toujours dans notre thème aussi de la nostalgie, mais il faut être attaché aux choses. Alors, c'est très beau ce que vous dites, est fondamental. Donc on a encore 10 minutes malheureusement pour les questions, je suis sûr qu'il y en a plein, mais quand même, là vous citez Günther Anders, c'est vrai qu'elle était très liée avec lui, avec Jonas aussi. Est-ce que à sa manière, elle permet de penser aujourd'hui une écologie intelligente, c'est-à-dire qui ne soit pas simplement une écologie du ressentiment. Ah oui, alors là justement, on ne s'attend pas à ce que Arendt ait pris en considération la nature. Or, non, après je vous laisse Alain, c'est juste une citation. Dans une lettre justement à Mary McCarthy, Arendt a cette phrase absolument extraordinaire, elle qui, il est vrai, n'a jamais été très attentive à la nature, parce que la nature, justement encore l'héritage grec, c'est ce qui est à jamais. Et elle s'aperçoit que l'action de l'homme sur la nature la rend tout aussi fragile que le reste des choses, et la nature ne peut plus être pensée comme ce qui est à jamais. Et elle écrit à Mary McCarthy, si la nature disparaît, c'est que l'un de ses produits, appelé homme, aura renoncé
à prendre soin d'elle, prendre soin, s'occuper d'elle. Et si la nature disparaît, la culture mourra aussi, en même temps que tous les artefacts de notre civilisation. Parce que, en définitive, l'avenir de la culture, l'avenir de la nature ont partie liée, puisque l'un et l'autre, l'une et l'autre, compte sur cette disposition spécifiquement humaine qui est la responsabilité, le fait de prendre soin, de se soucier d'eux. Donc voilà, je pense que Arendt là, nous apporte quand même quelque chose d'essentiel parce qu'il est absolument, c'est un thème que beaucoup aussi abordé par Alain Finkielkraut, c'est qu'il est absolument accablant de constater que les militants de la cause écologiste sont les premiers à sacrifier la langue. Ce mot d'impacté qu'ils usent à volontiers, mais c'est une première atteinte à justement l'héritage de la langue. Donc ils ne prennent pas plus soin de la langue. S'ils ne prennent pas plus soin de la langue, en quoi pouvons-nous compter sur eux, puisque ce ne sont pas des dispositions humaines qu'ils cherchent à modifier? Merci beaucoup. Non, alors on va tout de suite prendre peut-être une série de questions, trois questions. Nous sommes un peu tenus par le temps. Oui, madame, je vous en prie. Quelques questions. Ah, pardon, monsieur, excusez-moi, j'avais pas mes lunettes, vous voyez. Quelques questions très rapides. La banalité du mal, c'est aussi ces petits présidents de la République qui pensaient qu'il ne fallait pas parler de la génocide, du génocide parce que ça nuisait à la construction de l'Europe. L'un de ces présidents de la République, d'ailleurs, patronne une des deux revues de Madame Levé. Raymond Aron a dit qu'il fallait se mettre à la place des politiques. Il a été très loin puisqu'il s'est même mis à la place de Pinochet en approuvant 73... avec certes moult circonlocutions, le coup d'État sanglant au Chili. Je ne connais pas très bien Rennes parce que depuis plusieurs années, je me consacre à Jean Kelevich pour publier un petit ouvrage de synthèse. Et lui savait distinguer sa gauche de sa droite puisqu'il a écrit l'un des textes fondateurs du MRAP et il a co-présidé un mouvement qui était issu de la MOI. Et par conséquent, dans la MOI, il y avait tous ces étrangers aux noms difficiles à prononcer, dont Madame Levé a dit qu'il fallait, au fond, pas parler, parce qu'il fallait parler des Français d'abord. J'exagère. Elle n'a pas tout à fait dit ça, mais... Une dernière chose, j'ai été étonné que l'association des profs d'histoire géo était vendue, en quelque sorte, à l'étranger, parce que j'ai vu à Henri IV hier... un appel à la résistance de cette association et des propositions pour transformer les programmes scolaires. Enfin, on a évité le pire, puisqu'aujourd'hui, M. Finkielkraut n'a pas traité Bourdieu d'antisémite comme il l'avait fait une fois. Oui. Si vous êtes venu pour dire des choses pareilles, je n'ai pas traité Bourdieu d'antisémite. Rappeler les circonstances, oui. Dans une émission que j'ai faite avec lui, et j'ai dit ma stupeur quand il a dit ça. Ma totale stupeur. Donc, Si vous venez pour dire cela, pour diffuser de véritables mensonges, vraiment ce n'est pas la peine. Jamais de ma vie je n'ai traité Bourdieu d'antisémite et j'ai beaucoup d'autres reproches très graves à lui faire. Quant à savoir si Jean Kelevich savait distinguer sa droite de sa gauche, tant mieux pour lui, peut-être, mais il a fondé le MRAP. Réfléchissez simplement quelques secondes à ce que le MRAP est devenu et à l'attitude du MRAP vis-à-vis de l'antisémitisme quand celui-ci ne vient pas de l'origine que l'antiracisme officiel veut bien lui concéder, eh bien je pense que ça rendrait très triste Jean Kelevich s'il était vivant aujourd'hui. Et ça veut dire que notre tâche de réflexion reste très, très importante et qu'on ne peut pas se contenter, comme vous le dites, de distinguer la droite de la gauche quand la gauche du MRAP se déconsidère comme elle le fait. Merci Alain Finkielkraut. On va prendre peut-être une autre question. Merci monsieur. Écoutez, en plus, là votre question ne porte pas sur Hannah Arendt, donc on s'éloigne du sujet, vous savez monsieur. On s'éloigne du sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres questions, s'il vous plaît?
Voilà, alors moi j'en aurais peut-être une, puisqu'on parlait de l'écologie, pour terminer, ou avant de prendre une toute dernière question, quel était philosophiquement l'enracinement de l'anthropologie et de la phénoménologie arendtienne dans l'héritage heideggerien? Parce que finalement on l'a contourné, on l'a pas évoqué, et évidemment c'est très important, et c'est aussi au cœur, je crois, du livre de Michel Arre que vous avez, Alain Finkielkraut, amené avec vous. Il n'est pas question, mais je suis très content, il n'est pas fait référence à Hannah Arendt dans le livre de Michel Arre, mais votre question est très importante, Alexis Lacroix, parce que, en effet, on a appris par la biographe d'Hannah Arendt dans les années 80 que Elisabeth Jungbrühl, il y avait une relation amoureuse entre Hannah Arendt et Heidegger. Celle-ci est maintenant documentée par la correspondance qui est parue entre eux. Nous savons que Hannah Arendt a pardonné à Heidegger en 1945-1946, quand ils se sont revus. Pas pardonner le mal qu'il lui a fait à elle, hein, éventuellement, mais non, pardonner ce qu'il appelait dans le Spiegel sa grosse bêtise, c'est-à-dire son adhésion au national-socialisme. En tout cas, on ne sait pas quelle a été la teneur de leur conversation de retrouvailles, mais disons qu'elle a été, semble-t-il, convaincue par certains de ses arguments. Donc elle lui est restée fidèle. En même temps, sa pensée est différente. Et beaucoup aujourd'hui veulent creuser la différence. Ils le font d'ailleurs de manière souvent très intéressante. Car les lectures d'Hannah Arendt, notamment françaises, sont extrêmement brillantes. Donc vraiment, je disais tout à l'heure, intrépidité de Bérénice Touvet, il lui fallait même un certain culot pour succéder à Martine Lebovici, à Myriam Revaud-Allonne, à Miguel Abinsour et à Jacques Tamignot. Jacques Tamignot a fait, dans un livre notamment, une comparaison en disant au fond que Hannah Arendt ne cessait de répondre à Heidegger, que toute la partie de son œuvre postérieure à la guerre ou postérieure aux origines du totalitarisme peut s'entendre comme une sorte de polémique avec Heidegger. Je ne crois pas que l'on puisse aller si loin, et d'ailleurs Bérénice Levet dans son livre m'a aidé dans cette réflexion, parce qu'il y a une petite phrase qui je crois très importante dans ce livre. Bérénice Levet, parlant de la condition d'homme moderne, dit: c'est moins par rapport au régime totalitaire et à leur tentative bien réelle de détruire l'humanitas de l'homme qu'au regard des innovations scientifiques et techniques de la fin des années 1950 qu'elle s'engage dans cette enquête sur les invariants de la condition humaine. Je crois que c'est très juste et je ne l'avais pas vu moi-même. J'ai été longtemps fasciné par la préface que Paul Ricoeur a donnée à la condition de l'homme moderne. Préface magnifique, mais en même temps, voilà ce qu'il dit. Il dit oui, il y a eu cette espèce de tentative d'éradication, le totalitarisme, et donc, la condition de l'homme moderne, the human condition, sera l'œuvre de la reconstruction. Mais en même temps, là où Bérénice Levet a raison, c'est que le premier chapitre porte sur Spoutnik et un certain nombre de découvertes technoscientifiques. Et c'est ce premier chapitre qui, en quelque sorte, enclenche le livre. Et là, évidemment, on retrouve une tonalité heideggerienne. Et d'ailleurs, parce que, et une tonalité heideggerienne qui s'approfondit en fait, parce que ce que dit Hannah Arendt, c'est que la modernité ou l'extrême modernité, c'est le triomphe de l'animal laborance, celui qui travaille, par opposition notamment à l'homo faber ou au citoyen, à l'homme d'action. Et elle dit: de quoi s'agit-il avec l'extrême modernité? Effectivement, la technique, la mécanique est partout, mais ce n'est pas la technique en tant qu'elle s'opposerait à la vie, l'artifice contre la nature. C'est une nature dont la force, une croissance non naturelle du naturel, une nature dont la force est décuplée précisément par la technique, un processus vital infiniment motorisé qui nous pousse à consommer le monde, à consommer les objets d'usage, les voitures, les maisons, comme si nous les mangions. Donc elle prend le mot de société de consommation au pied de la lettre. Nous consommons, c'est-à-dire nous n'arrêtons pas de dévorer tout le temps, du fait précisément de ce processus vital infiniment motorisé. Et là, on retrouve un thème
heideggérien quand elle dit, quand Heidegger dit l'instinct de l'animal et la ratio de l'homme deviennent identiques avec la modernité. Donc je crois, moi, précisément, que sans doute y a-t-il de grandes différences entre Hannah Arendt et Heidegger, notamment pour tout ce qui concerne la vie politique, mais la dette d'Hannah Arendt à l'égard de Heidegger est très considérable et la parenté entre les œuvres mérite d'être soulignée et donc assumée par les lecteurs que nous sommes. En effet, et je voudrais, je suis très touchée que vous ayez retenu ce point-là, parce que il faut bien voir que quand Hannah Arendt, en effet, écrit La condition de l'homme moderne, nous sommes en 1958, et elle l'écrit sous l'impulsion de ce que la technique est en train de rendre possible. En définitive, pourquoi va-t-elle penser les invariants de la condition humaine ? C'est parce que elle voit qu'avec la condition la modernité a consisté en une chose, en une rébellion contre le donné de l'existence, contre les conditions dans lesquelles la vie était donnée aux hommes. Au fond, les trois civilisations des anciens, les Grecs, les Romains et les Chrétiens, ce sont comme des variations sur de mêmes thèmes, les mêmes conditions qui se posaient aux hommes. Chacun y ont répliqué, ont proposé des solutions qui leur ont été propres. Et la grande rupture introduite par la modernité, c'est qu'il ne s'est plus agi de répliquer, il s'est agi de se soumettre, se donner, de s'en rendre comme maître et possesseur, selon le mot de Descartes. Donc, il faut lire cette introduction dans le prolongement de son texte écrit de 1951, écrit en guise de conclusion aux origines du totalitarisme, inédit qu'on retrouve dans le Quarto. Et en guise de conclusion, elle s'interroge pour elle. La transformation de la condition humaine a été portée à son acmé dans l'expérience totalitaire. Et elle se dit, voilà, la voie de la modernité, c'est précisément la rébellion contre le donné. Donc nous avons deux voies. Soit nous persévérons sur le chemin de la modernité, soit nous renouons avec la sagesse des anciens et nous nous réconcilions avec certaines choses que l'homme ne peut pas changer à loisir. Et c'est terrible parce que, donc, en 51, elle voit que deux voies s'ouvrent à nous. 58, le Spoutnik, en effet, envoyé en 57, qui prouve qu'une chose, c'est que les hommes n'ont qu'une aspiration, c'est à n'être pas toujours rivés à la terre, donc aucun amour de cette condition terrestre. Et elle observe également, elle est contemporaine des toutes premières tentatives de donner la vie dans les éprouvettes. Et donc, elle voit qu'en définitive, eh bien, nous avons continué à nous inscrire sur la voie, dans la voie des modernes, et évidemment que les jalons qui sont venus scander cette histoire sont nombreux. Et autre dette à l'endroit d'Heidegger, donc réflexion sur la technique, c'est cette, et qui se rattache au thème de la réconciliation, c'est qu'elle emprunte dans son, et là c'est un ensemble qui n'est pas très lu, son ultime trilogie. Dans le volume consacré à la volonté, elle emprunte à Heidegger ce thème justement de la réconciliation, du oui à ce qui est, en se réappropriant la distinction qu'il fait, enfin, pas la distinction, au contraire, la parenté entre le Denken et le Danken. Penser et remercier, ce sont deux attitudes semblables. Et c'est là qu'elle fait l'éloge justement des poètes qui sont capables de célébrer le donné de l'existence. Alors tout ça est dit vraiment de façon très très rapide et confuse, mais je vous invite aussi à vous reporter à cette très belle trilogie inachevée, puisqu'elle est morte alors qu'elle préparait le dernier volume. Voilà, j'arrête. Merci beaucoup. Et sur cette histoire du Spoutnik, évidemment, la jurisprudence Arendt, c'est l'opposé de la jurisprudence Lévinas, puisque Lévinas, il a célébré le Spoutnik, lui, l'arrachement au lieu, justement, comme promesse réalisation d'une promesse messianique. Mais on pourra faire une, si vous voulez, on vous reviendrait avec Aurore Mregen, et puis on fera une comparaison Arendt-Lévinas aussi sur ce point. Alors, il y a trois questions qu'on va rassembler. C'est presque la fin.
By now, das Ende. Et donc on va faire, on va rassembler trois questions. Je ne sais pas si le micro circule. Voilà. Oui, bonjour. Une question pour Alain Finkielkraut. N'y a-t-il pas une confusion aujourd'hui entre la culture et le culturel? Et si oui, ne croyez-vous pas que la gauche fait cette confusion? Vous parliez tout à l'heure de culture par rapport à Arendt et vous parliez aussi d'éducation. Merci. La gauche va avoir les oreilles qui bourdonnent aujourd'hui. Je voulais revenir sur la question de l'héritage. Vous avez raison quand vous avez dit effectivement que dans septième arrondissement et également dans d'autres zones géographiques, on peut retrouver effectivement ce phénomène-là qui est l'absence d'héritage. C'est exact. Ce qui nous permet effectivement de ne pas tomber dans des thèses communautaristes en fait, et que avant tout c'est une question largement partagée, sociétale et sociale et sociétale et culturelle. Mais en même temps, en disant cela, est-ce qu'il ne faut pas un peu nuancer les propos? C'est-à-dire, malgré cette absence généralisée, il y a peut-être une certaine inégalité dans cette absence, c'est-à-dire dans certaines zones, certains quartiers, certaines couches sociales, justement, puisque cet héritage est transmis plus ou moins par la structure familiale, si vous voulez, et que forcément on retrouve une certaine différenciation à ce niveau-là. Et deuxième point, est-ce que là, il ne s'agit pas aussi d'un phénomène, je dirais, générationnel, c'est-à-dire effectivement, quand on parle aujourd'hui avec des jeunes, ils sont moins attentifs aux exigences sociétales, un certain idéalisme par rapport à d'autres générations qui sont peut-être les nôtres. Je ne suis pas dans la nostalgie, mais en tant qu'enseignant, j'ai constaté également ce phénomène-là. Peut-être beaucoup de jeunes sont plutôt orientés vers leur carrière et l'immédiateté de la vie. Alors, et le deuxième point, qu'en pensez-vous? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Peut-être donc une troisième et dernière et ultime intervention. Oui, alors j'ai une question ici. Laurent David Samama. Oui, une question ici sur un thème qui vous est cher, celui des jeunes, de l'éducation et de la façon dont on guide les jeunes. Vous dites souvent, et vous l'avez dit aujourd'hui encore, qu'on donne peut-être la parole aux jeunes trop vite et trop tôt. C'est possible, je suis pas entièrement d'accord avec ça, peut-être que mon jeune âge m'interdit de penser ça, mais en tout cas, comment vous articulez cette théorie que vous répétez souvent avec le fait qu'on ne trouve aujourd'hui que très peu de porte-parole des jeunes et très peu de jeunes qui représentent, qui portent la voix des jeunes et qui seront un peu le monde de demain? Comment vous pouvez penser qu'on donnait la voix aux jeunes trop tôt, qu'on donne la parole aux jeunes trop tôt, et ne pas voir de jeunes dans les médias, de jeunes écrire, de jeunes se défendre et de jeunes porter des thèmes qui sont un peu neufs? Merci pour cette interpellation. Donc Alain Finkielkraut, oui. Alors, je vais répondre à la première et à la troisième question. Je pense en effet que, et avec d'autres, notamment Michel Deguy, que la culture aujourd'hui se dissout dans le culturel. La mort de la culture, c'est le triomphe du culturel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Hannah Arendt, citée par Bérénice Levet, écrit « L'homme cultivé, c'est l'homme si bien formé qu'on peut lui faire confiance pour veiller et prendre soin d'un monde d'apparition dont le critère est la beauté. » Aujourd'hui, le mot de beauté fait sourire. Il suscite le scepticisme informé de ceux qui ne s'en laissent pas à croire et qui savent précisément que tout, qu'il n'y a rien qui ne soit donné, rien qui ne soit objectivement beau, mais simplement tout est mis en sens et en forme. Il n'y a pas de monde, mais des versions de monde. Pas de beauté, mais différentes idées de la beauté. Le beau objectif n'existe pas. Et l'on voit précisément les représentants de la culture se retourner contre la beauté. Dès lors, en effet, il n'y a plus rien sur quoi on puisse veiller. Et c'est justement Hannah Arendt nous a aidés à déchiffrer
l'énigme totalitaire et donc à nous défaire de la fascination que l'idéologie pouvait exercer sur nous, elle doit nous aider aujourd'hui à résister non au totalitarisme, mais au poison qui nous menace, c'est celui du relativisme. Hannah Arendt, précisément, répond naïvement, mais c'est une naïveté ô combien précieuse, au relativisme. Il y a des vérités factuelles, dit-elle, les faits existent, et quelque chose comme la beauté aussi. De la culture. Or, avec le culturel, il se défait. Alors, pour ce qui est des jeunes, chose que je répète, j'aurais quand même faire constater que c'est pas moi qui l'ai répété aujourd'hui. J'en ai pas parlé. C'est Bérénice Levet qui en a parlé, d'ailleurs, à mon avis, de façon très pertinente. Et en effet, il m'est arrivé de dire, mais c'est pas moi qui l'ai fait aujourd'hui, j'ai d'autres sujets en tête, que à l'école, on donne la parole avant de donner la langue. Oui, puisque bien entendu, il s'agit toujours d'abord d'épanouir plutôt que de former et de cultiver les facultés d'expression dès le plus jeune âge. Et la FCPE dont je parlais tout à l'heure, la FCPE dit toujours, Fédération de parents d'élèves, que le jeune, dès l'âge de 4-5 ans, doit être considéré comme l'acteur de sa propre éducation. Bon, alors, voilà. Je pense en effet que c'est une catastrophe, et c'est une catastrophe pour les jeunes eux-mêmes. Et d'ailleurs, ce mot de jeune est lui-même une catastrophe, parce que l'école n'a pas affaire aux jeunes. L'école a affaire aux élèves. Et c'est précisément cette irruption du jeune comme catégorie générale qui est très réductrice. Le jeune, l'élève se distinguait de l'enfant ou de l'adolescent. Et cette distinction nous était très précieuse, parce que sur cette distinction, on pouvait justement fonder la séparation de l'école, sa singularité. Ce n'était pas un lieu de vie. Or, ça le devient si, précisément, on ne fait plus la différence, si on voit des jeunes partout et tout le temps, à la maison, à l'école, dans la rue, dans la classe, dans la cour de récréation. Quant à savoir si les jeunes ne sont pas assez représenté aujourd'hui, je pense de toute façon que là, c'est Proust qui a raison. Je ne suis pas absolument sûr que l'adolescent ait besoin d'être représenté, il a besoin d'être élevé, et je ne suis pas sûr que l'adolescent soit à même justement aujourd'hui, pour les raisons que l'on dit, de produire du neuf. Pour produire du neuf, il faut évidemment être d'abord intégré dans un monde, ce que dit Hannah Arendt dans La crise de l'éducation. Donc des idées nouvelles peuvent venir de gens assez âgés, et si on brûle les étapes, on ne produit rien du tout. Mais si vous, simplement pour finir, si vous regardez de temps en temps le grand journal de Canal+, la jeunesse y est extrêmement bien représentée, dans les invités et même parmi les chroniqueurs. Donc les jeunes occupent la place. Oui, mais on pourrait vous dire qu'elle y est justement bien représentée, parce que ça n'est pas injurier le grand journal de Canal+, que de dire qu'il est quand même un des lieux de la reproduction sociale dans le sens le plus conformiste du terme. Oui, c'est le néoconformisme des rebelles actuels. Donc y mettre des jeunes, au fond, c'est ne rien changer au système. Non, absolument. Mais bien sûr, mais de toute façon, ce n'est pas le meilleur service qu'on peut rendre à la jeunesse. Oui. Pour, bien que la question ne m'ait pas été adressée, mais en effet, je pense quand même qu'on atrophie les chances d'originalité de la jeunesse en leur donnant vraiment trop tôt la parole. Bon, moi je prends juste mon expérience. À 16 ans, j'ai lu La défaite de la pensée, d'Alain Finkielkraut, et il est évident que la jeunesse a un avis et un jugement sur tout. Spontanément, nous savons où est le bien, où est le mal, et lorsque j'ai lu La défaite de la pensée, en effet, ça a été une sorte de cure de silence à laquelle j'étais invitée, en tout cas, à mettre entre parenthèses ces jugements tout faits, ces idées toutes faites, ces perceptions toutes faites. Donc je crois que nous avons tout à gagner pour former une pensée
qui peut prétendre à une certaine originalité, parce que le résultat a donné sans cesse la parole à cette jeunesse, c'est qu'elle est devenue absolument incapable d'attention, mais au sens fort du terme, hein, de faculté d'attention, je vous renvoie à Simone Veil, et elle est dans la précipitation contre le conseil de Descartes. Vous pouvez lui soumettre un sujet de dissertation, pourquoi passe-t-elle à côté? Mais précisément parce que elle se précipite, elle a immédiatement une intuition de ce que ça signifie et elle se met justement à parler. Donc si nous voulons quand même préserver l'originalité, la nouveauté dont la jeunesse est porteuse, je crois qu'elle a tout à gagner de se mettre quelque temps entre parenthèses. En outre, vous me surprenez quand même en disant que la jeunesse n'est présente nulle part. Moi, hélas, j'ai le sentiment que dans les médias, on entend quand même énormément la jeunesse. Hein, les questions d'enfants, bon, moi je n'ai pas la télévision, je n'ai que la radio, mais sur France Inter, nous avons le droit aux questions politiques des enfants qui s'interrogent sur savoir s'il y a un parlement des enfants. Enfin, je peux vous assurer que, ne vous inquiétez pas trop, elle n'est pas brimée. Hein. Alors, mais Simone Veil n'avait pas de fils de ministre comme élève. Elle manifestait avec le Front Populaire. Oui, mais elle nous donne des instruments c'est de pensée du un présent. Fils de ministre comme élève, monsieur. C'est grave. Oui, c'est... Non, mais elle était dans le public, elle manifestait. Ah oui, je me suis. Alors, alors là, vous vous trompez sans doute, parce que je peux vous assurer que être confronté aux parents d'élèves dans l'enseignement privé est une rude tâche, hein, parce que ce sont effectivement des parents qui exigent... J'ai eu le droit à des remarques du type que si je mettais de mauvaises notes, ils vont évidemment se plaindre auprès des proviseurs, mais c'est sans doute puisque effectivement le jour du bac nous avons des instructions pour élever les notes, pour prouver combien en fait j'étais un excellent professeur. Alors vous voyez, ce rapport consumériste à l'enseignement, il est très développé aussi dans ces établissements. Hein. Alors là, je peux vous assurer qu'on n'est pas spécialement à l'abri. Hein. Je réponds juste à la... Bien sûr. J'ai pas grand chose à répondre sur la question donc de l'héritage. Bon, je vous accorde, si j'ai bien compris votre remarque, qu'il est évident qu'il est plus aisé peut-être de récupérer l'héritage pour les enfants des couches favorisées. Bon, il n'empêche qu'en même temps, aujourd'hui, on met en place des tuteurs pour assister les jeunes gens en ZEP et je trouve ça excellent, mais je pense qu'on pourrait prendre la même mesure pour les autres élèves. Et par ailleurs, quand vous disiez que la jeunesse manifestait une certaine résistance à l'égard des exigences sociétales, moi je trouve au contraire qu'elles introduisent la société partout où elles sont, et les exigences sociétales partout où elles sont. Donc bon, ce serait une très vaste question que de réfléchir à cette substance du sociétal, mais voilà. Merci en tout cas beaucoup, beaucoup à tous les deux pour cette passionnante conversation. Je rappelle les titres de vos derniers ouvrages, Alain Finkielkraut-Essy, L'amour durait, aux éditions Stock, et par ailleurs donc en folio vient de reparaître L'interminable écriture de l'extermination, un livre France Culture Stock qui rassemble vos entretiens sur France Culture sur la question justement du génocide. Il vient donc de reparaître en folio. Vous allez donc, je suis désolé de ne pas l'avoir dit d'ailleurs au début, vous allez signer pour ceux qui le souhaitent le musée imaginaire d'Anna Arendt, votre livre qui était le support, le prétexte de cette conversation passionnante aux éditions Stock. Et je vous rappelle que vous êtes aussi lauréate pour ce livre du prix Émile Perrault Saucine. Alors la règle du jeu, je ne sais pas si c'est un lieu cool, mais en tout cas c'est un lieu ouvert. La semaine prochaine, on va parler avec Éric Marty, notamment de l'affaire Merah, des enseignements de l'affaire Merah. On ne va pas l'appeler d'ailleurs l'affaire Merah, puisque ça personnalise trop, mais les meurtres de Toulouse, tout simplement. Et nous rejoindra aussi dans cette discussion Raphaël Drey et Jean-Jacques Moscovitz. Et la semaine suivante, donc, c'est le séminaire de Yann Moix. On termine l'année et on la recommence aussi avec une interrogation sur la gauche. Ça sera sans doute, là je parle sous le contrôle de Maria de François, c'est elle le grand chef des dates, mais sans doute le 26 août peut-être sur la gauche. Et comme on est évidemment un lieu ouvert à la discussion et à la critique, on consacrera sans doute un séminaire aux 10 ans de la disparition de Benny Lévy.
évidemment chaleureusement invité. Je l'ai tout à l'heure, non pas mis en cause, mais j'ai rappelé, c'est vrai, son hostilité aux œuvres de culture, au nom même justement d'une conception, disons, bibliocentrique de la culture. Ça sera l'objet justement d'un débat à la règle du jeu. Là, je parle sous le contrôle de Mariette François, on l'organisera. Mais enfin, rendez-vous est pris. Merci à tous. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site de La Règle du Jeu, www.larègledujeu.org. Merci.